Face tout comme ça va dire. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sexuality. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un face cam pour parler de ce sujet, mais aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous le sujet de la fameuse et mystique virginité. C'est quoi? Pourquoi c'est si sacré? Et aujourd'hui en fait on en est où avec ça? Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à toutes ces questions, à vos nombreux messages sur le sujet, et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et à liker la vidéo si elle vous plaît. Sur ce, let's go! Si vous êtes une personne comme moi, c'est-à-dire possédant un vagin, il y a sûrement cette phrase que vous avez entendue tout au long de votre enfance. Non, mais ne couche pas avec n'importe qui. T'es une fille et tu dois te préserver, trouver le bon, construire une famille, etc. Non mais fais attention parce qu'une fille qui couche avec tout le monde, c'est une fille qui se respecte pas. Et si vous avez eu comme moi la chance d'avoir en plus de ça un grand frère ou un petit frère, vous avez sans doute remarqué que lui n'a pas du tout eu le même discours pendant son enfance. Ce discours qui marque malheureusement très fortement la vie d'une jeune fille. J'ai commencé très tôt à me questionner, du genre à me dire mais pourquoi mon frère n'a pas eu la même éducation sexuelle que moi finalement? Pourquoi moi si je couche avec un garçon je suis une salope? Pourquoi une fille a une mauvaise réputation quand elle couche avec un garçon et pas l'inverse? Et surtout c'est quoi la réputation et vraiment qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bien en fait la réponse à tout ça est assez simple. C'est parce que c'est un héritage qu'on a depuis des longues décennies et qui est malheureusement toujours ancré dans nos mœurs. Et non, la théorie de une clé qui ouvre plusieurs serrures c'est bien, une serrure ouverte par plusieurs clés c'est mal, non, on en reparlera un peu plus tard de ça. Ton cognier. Parlons-en. La virginité de la femme, c'est un cadeau en fait, quelque chose à offrir à quelqu'un, une bénédiction, c'est sacré. Et la religion a toujours préservé la femme, même aujourd'hui encore. C'est pour ça que beaucoup de jeunes filles sont éduquées en leur disant qu'il faut attendre le mariage pour faire sa première fois, sauf si comme moi vous êtes athée. Après, la religion est beaucoup moins stricte aujourd'hui qu'à l'époque, mais cette préservation de la virginité et de la femme reste encore omniprésente. On aurait dit un présentateur télé. Non mais en vrai, genre je suis sérieuse, c'est un sujet sérieux, je peux pas... Voilà. À l'époque des rois et des reines en fait, il fallait que la reine soit vierge pour être sûre que le premier héritier de la reine soit bien du roi. Mais il fallait que voilà la fille soit vierge pour que le roi puisse mettre son premier héritier. Après, si vous êtes des Lannister et que vous couchez entre frères et sœurs, ça se met pas là, non. Faut juste savoir qu'aujourd'hui ça peut paraître choquant, mais à l'époque c'était dans les mœurs en fait. Aucune femme ne remettait ça en cause. On était tellement éduqués et voilà, c'est comme aujourd'hui, il y a des idées qui sont populaires et pourtant qui sont pas franchement cool. Mais vu que tout le monde le disait, etc., la foule pensait ça, et ben même si on n'était pas d'accord, on était obligé de faire avec. On n'avait pas trop choix en fait. Faut quand même savoir que monsieur le roi, lui à l'époque, avait le droit à une maîtresse officielle. Mais après, je peux comprendre, c'était compliqué pour nous les femmes, sachant pour les reines en fait, pour être sûr d'avoir des héritiers de sang royal, etc., fallait coucher qu'avec un seul homme, et puis les moyens de contraception à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que le roi il avait des enfants un peu partout. La reine, un peu moins, que c'était plus compliqué. La religion dit clairement que la fornication est un péché et que de base on n'a pas le droit à la contraception et que si on couche c'est pour avoir des descendances, en gros. Bon, en très gros. Une femme n'ayant plus sa virginité à l'époque, une femme un peu haut placée, était vue qu'en fait comme un déchet, elle n'était plus utile et un peu comme les femmes de joie, elle ne servait plus qu'à assouvir le fantasme de messieurs. Voilà, une femme sans virginité, ce n'était plus une femme, qu'à l'époque la femme était juste là pour porter la vie. Et si on savait pas trop d'où venait la vie qu'elle avait dans son ventre, c'était hyper mal vu. En fait, la femme à l'époque, c'était un peu un objet qu'on vendait pour faire des alliances entre pays. Il n'y avait pas d'amour, pas de ci, pas de ça. Le but, c'était qu'elle se marie pour faire une alliance et qu'elle mette au monde un futur héritier de la couronne royale. Et franchement, à l'époque, je pense que le mieux, c'était d'être une reine parce que voilà, c'est pas la joie sinon. Ça va plus loin que ça, c'est qu'il y avait des gens haut placés qui pouvaient envoyer des hommes violer votre femme ou votre épouse, etc., pour qu'elle soit inutilisable et que ça rompe les alliances. Même dans les tribus, etc., quand vous voyez qu'il y avait des vols, c'est souvent les femmes, le bétail, etc., où les femmes étaient seulement violée pour les salir en fait. C'était histoire de marquer bien son territoire et de dire je suis passé avant toi. Et la réduire à objet au bout d'un moment, on n'est pas des animaux. On se venge, on a l'esprit de vengeance nous les femmes et parfois pire que vous messieurs. Donc voilà, et du coup on a commencé à se rebeller un petit peu et à un petit peu ouvrir nos bouches, doucement. Et ça fait hyper longtemps que la femme petit à petit elle arrive un peu à se sortir de cette position d'objet puisqu'il y a des femmes qui se battent depuis hyper longtemps. Donc aujourd'hui des fois on a l'impression que tout ce qu'on fait pour les femmes, et je dis ça aux filles qui se battent pour les femmes, et bien on a l'impression que c'est vain, mais sur le long terme croyez-moi, peut-être que nous on le verra pas, mais nos générations futures le verront, et peut-être qu'il y a des hommes qui râlent en mode oui, les féministes c'est trop chiant, etc. Mais franchement, on s'en bat les couilles. Je te le dis, hein, je te le dis, on s'en bat les couilles. On a quand même de la chance à l'heure actuelle, faut se l'admettre. On a eu le droit de travailler, qui est un droit normal, et heureusement, de travailler, de parler, d'ouvrir sa bouche, voilà, de sortir. Et même si aujourd'hui, coucher avec 300 mecs, on passe pour une fille facile, c'est plus ce que c'était à l'époque, à part si vous êtes dans la religion. Je ne suis pas dans la religion, vous le savez, je suis athée, donc moi je n'ai pas de pression sociale pour cette première fois et tout ça, quoique ça, je vous expliquerai peut-être un
un peu plus tard, enfin mon développement sexuel finalement, qui a été quand même assez dicté par la religion sans vraiment le vouloir. Et pourtant, je pense que chaque femme doit faire ce qu'elle veut de son corps et de sa virginité. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as envie d'attendre le mariage, fais-le. Si toi devant la vidéo, tu n'as pas envie d'attendre le mariage, eh bien fais-le. Parce que je pense que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps, c'est le sien. Si pour toi, respecter tes valeurs, c'est attendre, eh bien fais-le. Si pour toi, respecter tes valeurs, c'est le faire avec une personne sans attendre, eh bien fais-le. Je pense que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut avec son corps et qu'aucune femme ne peut juger la sexualité d'autrui, et c'est hyper important qu'entre nous, les femmes, on se soutienne un petit peu à ce niveau-là. Donc si une copine ou une fille que tu connais couche avec beaucoup de garçons, évite de la traiter de salope, parce que c'est pas ton problème. Réciproquement, si tu connais une fille qui couche avec personne, évite de la traiter de coincée du cul. Parce qu'encore une fois, c'est pas ton problème. T'as déjà ton cul, t'as déjà ton vagin, donc fais-toi ce que tu veux avec ça, et puis t'emmerdes pas les autres, que franchement on en prend plein la gueule. Si entre meufs on continue à se descendre, t'as pas le cul sorti des ronces. Encore une fois, aujourd'hui la sexualité des femmes a énormément évolué, de plus on a eu la contraception. Est-ce qu'à l'époque c'était pas ça non plus, même l'avortement, etc. Ce sont des droits que les femmes ont acquéris en se battant et en pouvant jouir de leur propre sexualité, même si de base, protégez-vous, prenez des contraceptions, évitez les IVG, voilà, si vous pouvez les éviter au max, évitez-les. Prendre la pilule c'est peut-être chiant, prendre un contraceptif c'est peut-être chiant, mais ça évite les IVG. Je tenais à faire un petit message pour ça. Je ne suis pas du tout contre l'IVG, mais si on peut éviter d'arriver à ce stade, c'est quand même bien pour vous, pour tout le monde. Voilà, protégez-vous. Petit message de Léa Chou. Attends, en vrai, on a la flemme quand on est jeune, et pas de se dire vas-y j'ai la flemme et tout ça, j'ose pas demander la pilule mais je veux quand même avoir mon premier rapport. Non, protégez-vous avant d'avoir vos rapports. Je m'en fous de passer pour la vieille relou. Après c'est qui que vous venez contacter quand vous avez oublié de vous protéger? C'est Bibi. Donc si je peux vous refaire la morale à chaque fois, protégez-vous tout le temps. Et bien évidemment, préservatif pour protéger de toutes les maladies, mais on y reviendra plus tard. Du coup aujourd'hui la sexualité des femmes se rapproche un petit peu plus de celle des hommes, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent complètement d'être traité de salope. Hein. C'est pas mal, hein. On n'est pas encore égaux, mais on s'y rapproche et c'est quand même cool. Mais finalement la grande question c'est qu'est-ce que la virginité en 2018? Parce que oui, c'est quoi être vierge finalement? Je reçois des tonnes de messages en me disant oui, est-ce que si on a fait ça comme ça je suis toujours vierge? Est-ce que s'il a rentré que le bout je suis toujours vierge? Est-ce que s'il a rentré que le doigt je suis toujours vierge? Etc, etc. En toute sincérité, je trouve que le mot virginité aujourd'hui est totalement dépassé en 2018, et bien évidemment il n'est qu'associé aux femmes, et je trouve ça hyper réducteur. En fait faut savoir qu'aujourd'hui en fait la virginité ça peut être soit le côté anatomique soit le côté relationnel. Alors de façon anatomique, qu'est-ce que la virginité? En fait c'est l'hymen qui recouvre l'antre, et quand vous faites la première fois, votre hymen ben, peut se percer, ou pas forcément la première fois, mais voilà, quand ça rentre il y a la petite membrane qui va s'ouvrir. Le problème c'est que beaucoup de filles sont nées sans membrane, ça veut dire qu'elles sont plus vierges en fait depuis la naissance. Le craquer en faisant du cheval, en faisant de la gym, ou en tirant dessus sans faire exprès, ou en se rentrant des choses elles-mêmes, et bien voilà, elles ne sont plus vierges. Alors est-ce qu'elles sont toujours vierges, ou est-ce que ce ne sont pas vierges? Est-ce que la virginité se résume vraiment qu'à cette membrane? Et là vous allez me dire non, c'est trop, il y a le côté relationnel. Et bien du point de vue relationnel, vous allez me dire dans l'opinion publique, que c'est quand un pénis rentre dans un vagin, hein. Voilà, quand il y a un rapport entre un kiki et une kékette, ça, comme on dirait quand on est petit. Et donc finalement quand il y a un rapport sexuel. Mais finalement qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Que la sodomie est un rapport sexuel? Est-ce que la fellation est un rapport sexuel? Est-ce que le fait de faire des préliminaires sont des rapports sexuels? Bah la réponse est oui. Donc finalement la virginité c'est quoi? C'est trop vaste, c'est trop vaste. Aujourd'hui je comprends même pas qu'on puisse encore en avoir quelque chose à foutre de si on est vierge ou non. Parce qu'une fille qui couche avec une fille qui n'a pas donc de pénétration avec un pénis, elle va rester vierge toute sa vie. Aujourd'hui je trouve que la virginité, qu'est-ce qu'on on s'en bat les noix, mais vraiment c'est un concept surfait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si vous êtes vierge ou non? Avoir des rapports sexuels aujourd'hui va plus loin que pénis et vulve. C'est bien plus évolué que ça. Et puis on n'est pas obligé que quand on fait l'amour d'avoir un rapport direct. On n'est pas obligé de rentrer sa bite dans une chatte pour dire qu'on a eu un rapport. Il y a tout ce qu'il y a avant, il y a tout ce qu'il y a pendant, il y a tout ce qu'il y a après, mais il y a des gens qui ont des rapports sans forcément coucher directement ensemble. Il y a toute une sexualité qui est autour, et c'est hyper réducteur je trouve de dire qu'un rapport sexuel ça se simplifie juste à un kiki et une kékette. Oui vous allez me dire oui mais Léa tu dis petit minou, tu dis des mots d'enfant. Mon éducation sexuelle je l'ai fait toute seule avec kiki kékette, ok? Donc j'ai encore des séquelles. Après tout, que ton partenaire n'ait rentré qu'un doigt, un sextoy, la moitié de son pénis, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Puisque finalement la virginité c'est hyper réducteur. C'est quand vous avez un rapport avec une personne, que ça soit fille ou garçon, quand vous avez du plaisir mutuel par devant, par derrière, comme vous voulez, et bien pour moi vous n'êtes plus vierge. Quand vous avez eu des rapports intimes avec quelqu'un, vous ne l'êtes plus. Les rapports intimes ça comprend tout, tout ce qui se passe dans votre intimité et que vous pourrez pas faire sur la voie publique. Mais on s'en fout, vous ne devez de compte à personne, à part à vous-même. Faites-le quand vous êtes prête, quand c'est en rapport avec vos convictions ou avec votre religion, et ne vous mettez pas la pression pour ça en fait, ça vaut pas le coup. Par contre, oui, vous pensez quand même à vous protéger pour cette première fois, je le répète. Quand vous êtes prête, c'est quand vous
vous aurez par les protections. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je sais, genre, je vous le répète, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. À propos de cette fameuse citation que j'ai citée plus haut, une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés, c'est une mauvaise serrure, et une clé qui ouvre plusieurs serrures, c'est une bonne clé. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais c'est pas parce que vous rentrez votre clé que vous réussissez à ouvrir nos serrures. Voilà, à méditer. Sur ce, à vendredi prochain. Et dans du cheval, de l'équitation, c'est la même chose.